déjà. Versus. C'était Versus 13 à l'origine, mais comment il s'appelait? Avec les étudiants. J'ai eu le platine alors j'avais même pas fini le jeu quoi. Dragon Quest sur PS4 est bien, et bah franchement, il tourne bien. Je sais pas ce que t'en penses, hein, ce que tu vois, si tu aimes ça ou pas, hein, mais il tourne bien. Les chargements sont pas trop longs. Il y a 2-3 chargements, hein, faut bien l'avouer. Hein. Mais les zones sont assez vastes et sans chargement. Les combats sont cool. Il y a plein de trucs à faire. Le seul que j'ai fait, moi, est sur DS. Bah, ceux sur DS sont déjà très bien. Hein. Après, visuellement, ils sont un peu moins beaux, mais ça, c'est... Voilà. Bah, je veux dire, chacun son support. Hein. Et encore, sur 3DS, ils étaient assez beaux. Hein. Faut bien l'avouer. Mais non, enfin, je sais pas ce que t'en penses, là, ce que tu vois. Parce que là, je joue sur PS4. Hein. Voilà. Le jeu est quali. Hein. Le design est vraiment beau. Ils ont fait des trucs assez compliqués, en fait, pour rendre le décor suffisamment crédible. En fait, ils sont vraiment pris la tête, je trouve, sur le game design des environnements. Les personnages, à part ton personnage principal qui ne parle pas, pour donner l'impression que ça soit toi, tu sais, c'est toujours la même chose. Pour donner l'impression que c'est toi le personnage, ils font en sorte qu'il parle pas. Mais sinon, tout est vraiment très très bon. Je regrette une chose, c'est que je peux pas passer les voix en japonais. J'aurais vraiment aimé que les voix des personnages soient en japonais pour le coup. Parce que vu que j'ai que les sous-titres français et les voix anglaises, j'aurais préféré que ça soit en japonais au niveau des voix. Quoi. Bah quel live, c'est ton PSN? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Je joue très peu en ligne. Je suis souvent offline ou apparaît hors ligne. Et comme ça, vous pourrez comparer vos trophées si vous voulez. Je l'ai fait une fois pendant 10 minutes avec un viewer qui me disait « Ah, viens, on va regarder si on a des gens en commun. » Du coup, non. Y'a pas de soucis, du moment que je connais à peu près le perso, enfin, le nom de l'invitation, j'accepte, y'a pas de soucis. Après, si tu t'étais appelé HBLBLBL, je me serais peut-être posé la question. Mais là, ça devrait aller quand même. J'arrive pas à voir à quoi c'est censé ressembler ces trucs. Oh là là, c'est moche. Sorcimol. Sarcimon! Les Sarcimon! En tout cas, l'attaque est très très belle. Hein. Moi j'aime beaucoup. Vas-y, j'étais en train de regarder la dague. Petit côté malsain pour marquer qu'elle est empoisonnée. Hey, salut Shido! Hey, bon petit déjeuner, laxatif! Pas de soucis, je comprends, c'est un peu normal. Bisous bisous et passe une bonne journée. Le camp Yoto. Je me demande si le marchand il vient dans ma poche lui aussi ou...
certainement quelqu'un de très connu dans son continent, dans sa ville. Ouh, on a augmenté de la concentration. Oh non. Informer des... Ah merde, c'est un accessoire qu'il faut que je forge. Il nous faut un nano en or. Attendez, je vais baisser la cam parce qu'en fait j'ai vu que les ingrédients étaient dessous. On est bien là. On doit avoir un plus 2, je pense. Magnifique! Plus 3! Ouh. On l'a qualité, celle-là. Hein. On n'a pas fait beaucoup des comme ça. J'imagine que je peux pas en forger un deuxième. Je suis pas assez d'or. Ah, on peut faire le bouclier cette fois, par contre. Ah, on peut faire le chapeau à plumes. Ah merde, dommage. Je l'aurais pas acheté si j'avais su. Attendez, on va voir si on peut faire des nouvelles armes. Non, on n'a pas d'armes. On va faire une nouvelle armure, du coup. On va faire un bouclier, parce qu'on peut. Oh putain, direct en or. Petite frappe. Oui. Oh, 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 la totalité là. Oh là là, là ça va être un bouclier de la qualité. Hein. Bon, on l'utilise pas, mais ça sera la qualité quoi. Et carré plus 3. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, les trucs que j'utilise pas, je peux les revendre en fait. Du coup, c'est doublement intéressant de forger. C'est pour ça que je vais forger le truc à plume 2 ou 3 fois. Parce que si on forge le truc à plume 2-3 fois, en fait, on va pouvoir se permettre derrière de le revendre. Sans parler qu'en plus on aura des améliorés pour mettre sur nos persos. Je sais pas si je remets un coup puissant. Pourquoi prendre que la qualité au lieu de vendre? Bah en fait, plus tu lui donnes de stats à ton chapeau, et plus il augmente ta défense, des choses comme ça. Tu vois? Du coup, plutôt que de porter des trucs qui sont standards, on va dire, et devoir les améliorer, autant prendre des trucs que j'ai créés qui sont améliorés déjà. C'est plus rentable, je trouve. On va faire une double frappe, hop. Derrière, on frappe. Standard là. Standard là. Hop. Petite frappe. Dommage. Dommage. Là, on devrait avoir du plus 2, je pense. On devrait avoir du plus 2. Oh, peut-être plus 3. Plus 3. Oh, la qualité. En plus, tu vois, en haut, j'ai les perles du perfectionniste.
Et avec les perles du perfectionniste, je vais pouvoir améliorer les armures que je n'ai pas fabriquées et que je ne peux pas fabriquer en améliorer. Ouh, pas mal. Là, petite frappe. Ah merde, trop. Petite frappe. Dommage. Oh. Oh. On devrait avoir 2 plus 3, ce qui va nous permettre de vendre 3 chapeaux à plumes. Ce qui devrait faire une petite somme à la fin. Et du coup là, on va pouvoir retravailler mon épée et ma cotte de maille par exemple. Et du coup faire une cotte de maille et une épée un peu plus puissante. Vu que je peux pas les fabriquer pour l'instant. Du coup, si je les retravaille, j'obtiens des stats un peu cheatés sans rien dépenser. Bon, faut pas se merder par contre. Sinon, je vais faire de la merde. Putain, ça monte très vite, hein. Ah, je fais de la merde. On va avoir un plus 1, je pense. Même pas. Putain. Je m'en veux tellement. Voilà. Bon, c'est mieux que rien, hein, mais... J'aurais dû faire des doubles frappes au début. Je savais que je faisais de la merde, mais... On veut espérer à chaque fois. Je peux pas faire mieux. Donc pareil, on devrait avoir un plus 1, je pense. C'est pas énorme, mais plus 1 défense, ça suffit. Hein. Franchement... Plus 2, voilà. Baka. Maintenant, on fait pareil avec le poignard de notre petit Rix. Dommage, je pense qu'on atteint le plus 1, c'est sûr, le plus 2, je suis pas sûr. On n'a pas un seul jaune. Mais bon, on est dans la zone. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous pouvez me laisser 30 secondes tranquille. Chapeau à plume, plus 3. Putain. Bon, du coup, on n'a pas augmenté sa cote de maille à lui, mais on le fera plus tard.
coup, ça, on va le mettre dans le sac des objets d'équipement. Le système de sac est très très lourd, je trouve. C'est un gros défaut que je donne au jeu. Alors, qu'est-ce que nous vend le vendeur? Non, on en a un déjà. La robe en cuir, on va attendre d'abord de savoir ce qu'elle porte parce que je sens qu'ils vont me faire une. Le même coup que dans Octopath, c'est-à-dire qu'elle va porter la robe en cuir et du coup je l'aurai acheté pour rien et ça, j'aime pas ça. Je suis pas fan. Pas du tout. Se reposer jusqu'à l'aube. Ah oui, le temps passe dans le jeu. J'ai oublié de le dire. Une fois de temps en temps, vous verrez le mec lever la tête vers le ciel. Et du coup, c'est que la nuit tombe. Du coup, nous, on va vers le point rouge, donc vers là. J'espère que je me trompe pas. Une volubilis. Ouh, un filon. Oh oui, du fer. Plus de fer. Toujours plus de fer. Et du cuivre. Le cuivre, c'est cool aussi. Normalement, je suis quasiment sûr que c'est par là, moi. Je me trompe peut-être. Ah merde, c'est pas là. Il faut un objet spécial pour ouvrir ces portes et je l'ai pas encore. On va faire un combat quand même. Non, parce que, bon, depuis tout à l'heure on tourne en rond, mais y a des choses à faire. Hein. J'aimerais bien que la petite rejoigne l'équipe en fait, parce que j'aime pas les personnages qui agissent tout seuls. Vaincu 87 d'expérience. Oh, c'est pas mal 87. Hein. 87, sachant qu'on doit gagner 800, ça nous fait 10 combats. Franchement, c'est la qualité. Hein. 10 combats pour un niveau, ça va. Bon, d'accord, il y avait plus d'XP pour le niveau, mais. Voilà quoi. J'espère que je me suis pas trompé. Parce que si on trouve des ennemis beaucoup trop puissants ici, ça serait con quoi. La crypte. Je sais pas, on verra. Ça réduit la défense pendant un tour, c'est ça? Ouais, il va falloir plus, hein.
mes personnages sont déjà tellement cheatés en fait. Je passais tellement de temps à farmer depuis le début que... C'est dommage. On va faire un tour Bilol. Bah qu'elle fait des moulinets avec son épée. Ils ont survécu, sérieux? Je préfère. J'aime pas quand on me survit. 92. La qualité. Donc je vais combien c'est à niveau. Dès qu'on aura passé un niveau, j'irai voir combien il faut d'XP pour le niveau suivant. Du minerai fer directement par terre. Mais c'est cool parce que j'aime bien la forge. Moi dans les jeux, dès que tu me donnes du craft. En plus le système est un peu ludique, il y a un peu de chance hein, bien sûr, mais il est un peu ludique tu vois, c'est pas juste un système de craft à la con où t'appuies sur un bouton c'est fait. Le pantin de Beau. C'est parce qu'il est debout. Debout, vous voyez. Il est fait en boue, mais il est aussi debout. Debout comme levé, quoi. Vous voyez. Non. Bon, d'accord, j'arrête. Non, mais j'arrête. Je fais plus de blagues. Les jeux de mots, tout ça, j'arrête. Promis. Putain, il est pas mort. On va lancer un petit fauche là. Hop. Petite bouteille. La qualité. Rentre chez toi. Décélère. Du coup là il m'a baissé ma défense et ma vitesse. Sympa. Sympa. Je ne dirais rien d'autre. Je le traiterais bien de petit con, mais... Ah, dommage. Ah, il m'avait mis en silence aussi. Je mets des coups d'épée, des coups de tatane, ça devrait aller. Alors, si je vais à gauche, il y a la branche, à droite, il n'y a pas grand chose. Mais à droite, il y a un coffre. Ça ressemble à un piège quand même. J'avais dit que ça ressemblait à un coffre, à un piège. Une faille d'hydrasée, ouais. D'accord. Le gars, agréablement surpris, il le met dans sa poche. Ah oui, c'est vrai que ces dagues mettent torpeur, j'avais oublié. Pas torpeur. Paralysie. Peur, c'est dodo. Le groupe d'ennemis est vaincu. Très tellement classe que la chauve-souris vient de se... Ce sera pas classe. Bon, elle fuit maintenant quand elle me voit, non? Ah non. D'accord.
Du coup, j'ai pas encore le niveau pour les faire fuir. Le dernier donjon que j'ai fait, j'étais déjà tellement haut niveau qu'en fait, quand j'approchais un ennemi, il fuyait. C'était un peu vexant. J'avais l'impression de puer la mort. Super Saiyan Jin! Who else wants some? Ah bon, on va visiter, on n'est pas des bêtes. Ah, il doit y avoir un autre piège, d'accord. Là, c'est pour remonter. Tu sais quoi, on va remonter d'abord. Parce que faut visiter les choses dans l'ordre. Au pire, on sait qu'il y a un étage en dessous. Et là, je sais que directement à gauche, il y a un piège dans une salle ou dans un couloir. Genre là, tu vois. Juste là. Là, là, tout de suite, là. Hop. Non. Ah, c'est peut-être celui d'à côté. Ah, voilà. Voilà. Mais maintenant qu'on l'a fait, hop, on est tranquille. Regardez, il s'enfuit. Du coup, on doit pas être loin du niveau nécessaire pour faire fuir les ennemis ici. Je t'appelle depuis la terre des morts pour libérer la fureur du tonnerre. Indignation. Je t'appelle depuis la terre des morts pour libérer la fureur du tonnerre. Indignation. Je t'appelle depuis la terre des morts pour libérer la fureur du tonnerre. Ok. Quel bête, ok. Oh, plein d'ennemis. Et en plus, des ennemis rares. Ça, c'est cool. Et il y a un véhicule au milieu. Ok, elle le met dans sa poche. Bah, quel. Le mec ramasse de la merde depuis 1644. Ouais, je sais quel monstre d'ailleurs. Allons nous amuser. C'est parti! On va faire tous les combats de la salle. Ne vous inquiétez pas. Ah, on a un premier exemplaire de... D'accord. Petit combo d'équipe. Hop. Terre brûlante. Le combo de temps explose devant les petits ennemis qui tranquillement. Merde, je suis maudit. La malédiction, oh putain, elle reste. Oh. Ça risque de devenir relou. La malédiction du mec bloqué. Ah, cool ça. Ah, je crois que j'ai assez. Ah non, 4. Merde. Pour les poignards, il me faut 6 et 7. 7 pour avoir la morsure du cobra et 6 pour avoir... Somnifère.
J'avoue que je préférerais avoir. Putain, d'équiper une arme en main droite en plus de la main gauche. Oh putain, c'est ça qu'il nous faut. Donc 6, 9, 7, 13. Alors, on va prendre 6, 9. Hein. 6, 9 et après on a 16. Du coup, on va partir sur ça. Donc somnifère. Après, on va prendre persécuteur. Et après, Chota. Ça, ça serait cool. Alors qu'avec Bakael, on était plutôt parti sur augmenter la puissance d'attaque. Donc 10. Vas-y, on va bien savoir ce qu'il y a là. À mon avis, ça doit être une technique ultime. Et là, il y a encore une puissance d'attaque en plus. On peut enfourcher le cavalcrâne. Oh merde, ça marche pas comme ça. Ah d'accord, il y a des pièges vraiment partout en fait. Enfin, le cavalcade, exactement. Ouais, mais c'est chop 16 ça. Bakael prend un level, mais il faut plus. Bon, on est d'accord que là-haut c'est deux pièges. Et à gauche et à droite, je pense qu'il y a des pièges aussi. Mais en fait, il faudrait peut-être aller voir la lanière. Hein. Pour te montrer quel est le bon chemin. D'accord. Pas de soucis. On assume. Garde le cheval. Hein. Les grandes voleurs. Ouais, parce que je trouve que c'est très important de voler les choses.
Une mini-médaille. Pas quoi ça sert la mini-médaille. Ah, j'ai été guéri de la malédiction. Est-ce que c'est parce que j'ai level up ou... Hypertonique. Saiyan level 2. Un super Saiyan. Enfin, en bleu, c'est ultra instinct, non? Who else wants some? Ouais. Un plateau en argent. Sac d'équipement. Pour le mettre où? Ce sera un bouclier? Chance de blocage 5%. Il est fort en plus ce con. 36, ouais, il est même bien. Hein. Chance de parade, et là, c'est attaque. D'accord. That's one heck of a fountain to be hidden away down here. Wait, over there. Serena, wake up. It's me, Veronica. Ta petite sœur. Your sister? Serena. Je pense qu'il y a eu un échange de corps. We each other, didn't we? Well, I'm here for you now. So pull yourself together. I was so awfully tired after all that searching that I needed a nap and... Veronica! Is that really you? What in the world has happened to you? But how did you know it was me? Ah bah non, c'est pas un échange de corps, ça. We've been sisters a long time, you know. It would take a lot more than a new look to fool me. Yes, very funny. What were you doing lying on the ground like that? I thought you were... Well, that you were... You know... Sorry to interrupt the reunion, but didn't you tell us Serena was your kid sister? Well, if you want to get technical about it, actually we're twins. But we don't look the same age anymore because, well, it's all a bit complicated. I told you I was taken off by monsters, didn't I? They've been kidnapping people so they can steal their magical powers. Well, I wasn't going to let them have mine without putting up a fight. But the more I resisted, the younger I got. I don't quite understand it, but instead of draining my magic, they drain my age. Putain, y a des gens qui rêveraient de ça. Genre le roi, je pense. What I'm basically saying is that I'm not a child. So stop treating me like... Okay, we get it, we get it. You're not a kid. But you still look like one. Don't you want to do something about it? Of course I do. Why do you think I brought you here? I want you to help me clobber those stupid monsters and see if we can fix this.
You will help us, won't you? I promise to do my bit as well. Voilà. La... I have some really rather wonderful healing spells, you know. Voilà, la petite sœur est polie. Elle est correcte. Elle nous dit pas, hey, faites ça, bande de connards. Hein. Voilà. Moi, je demande pas plus. Hein. Du moment qu'on est gentil avec moi, je suis prêt à aller, aller loin. Hein. La maison de Dieu. Je vois que vous avez péché, level Bakael. Vous n'avez pas sauvegardé depuis une demi-heure. Une heure et demie. D'accord. Bah oui, bien sûr que j'ai l'impression. J'espère vous revoir bientôt. Ouais, c'est pas réciproque. Umbra Kadambra. Je suis sûr qu'il y a moyen de passer en force en fait. Come along often. Do you have any idea what we'll have to do to nab a specimen like that again? You knew I wanted to drain all her magic so I could earn the Lord of Shadow's respect when he came back. All my plans. The Lord of Shadows? That's them. They're the monsters who jumped me in the bathhouse and brought me here. See that jar by the big fat one? That's what he was sucking all my magic powers into. Then I guess we'd better figure out how to get them back. On va la casser, ça ira plus vite. Heureusement qu'il y a la petite sœur pour être... Tu t'appelles depuis la Terre des Morts pour libérer la fureur du tonnerre. We'll be fighting our way out of this one, whether we like it or not. What's yours is mine!